Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, mais cette fois-ci pas d'un kit complet, juste d'un corps de guitare. Alors pourquoi un corps de guitare tout seul et non pas un kit complet? Pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je tiens à repréciser que je me sers de la guitare comme un support pour mes créations au niveau de la peinture et de faire des customisations de guitare avec des peintures personnalisées dessus. Et j'ai pour but, dans l'avenir, de créer mon propre design et de pouvoir faire mes propres guitares avec des peintures perso. Pas des guitares dont on connaît déjà le design, même si j'ai pris déjà des designs qu'on connaît déjà avec mes kits. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir mon propre design qui soit, entre guillemets, ma signature au niveau de mon projet de guitare unique avec peinture personnalisée dessus. Alors là, j'ai acheté un corps de guitare tout simplement parce que je n'ai pas le matériel complet pour pouvoir construire ma guitare de A à Z. Et tous ceux qui me suivent depuis le début savent que je traîne beaucoup sur internet pour faire pas mal de recherches pour approfondir le sujet de la customisation de guitare. J'ai déjà fait des vidéos sur des tests de kits guitare à monter soi-même, les do it yourself. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en description en haut à droite. Et en traînant sur internet, donc on découvre plein de sites internet qui vendent des kits guitare, mais il y a aussi pas mal de grosses marques de guitare ou de luthiers qui font leur propre kit de guitare à des prix beaucoup plus élevés que ce que j'ai pu vous montrer dans les dernières vidéos. Et un nom ressort souvent, c'est Crimson Guitar. Et donc j'ai traîné sur leur site et j'ai découvert qu'ils faisaient un corps de guitare non découpé. C'est-à-dire qu'il y a le bois en planche, mais il y a juste les défonces au niveau des micros et du pocket neck, ainsi que la cavité et le couvercle de la partie électronique. Cela m'a très vite donné l'idée de pouvoir enfin voir si mon design que j'ai en tête pouvait être réalisable sur une guitare et pouvoir voir si c'était jouable au final. Donc, avec ce nouveau kit, je me lance dans une nouvelle série de vidéos où vous allez pouvoir me suivre dans la création de mon nouveau design à partir d'un kit déjà existant, certes, mais avec le minimum d'outils que j'ai en ma possession. J'ai tout simplement une perceuse, une scie japonaise, une lime Shinto, un petit rabot et du papier abrasif pour pouvoir poncer l'ensemble. Donc avec ces quelques outils, je vais essayer de voir si je peux faire une guitare sans trop de problèmes. Bien sûr, ça va être une nouvelle expérience pour moi, je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas bricoleur à la base. Je me suis lancé dans une nouvelle activité dont j'ai tout à apprendre. Qui dit guitare dit corps et manche. Le corps, je l'ai déjà. On va en faire l'unboxing juste après. Mais il me faut aussi un manche. Et j'ai trouvé sur internet d'occasion le manche, le voici. C'est ce qu'on appelle des manches paddle, où on va pouvoir créer notre propre design au niveau de la tête du manche. Donc voilà, j'ai juste à dessiner le design et à le découper après. Et ensuite, bien sûr, faire les trous pour les mécaniques. Ce n'est pas tout à fait le type de manche que j'avais en tête, mais pour faire un premier essai au niveau de mon design, j'ai pris celui-ci. Je trouve un peu fin au niveau de la largeur du manche. La prise en main est bien, mais voilà, c'est pas tout à fait ce que j'aime moi dans la prise en main. Là, c'est qu'une question de goût, mais pour voir si mon design est viable, j'ai préféré faire au plus simple. Et au pire, si ça ne me convient pas du tout, je rachèterai un manche qui me convient mieux ou j'essaierai de le faire fabriquer ou voire même essayer moi-même de le fabriquer. Et comme ce n'était pas excessif, pour moi, ça sera une première expérience au niveau de la découpe de la tête du manche et voir ce que ça donne. Allez, on va commencer l'unboxing et voir ce que vaut ce kit de chez Crimson Guitars. A tout de suite. Donc nous voici pour l'unboxing. Je suis désolé pour le cadrage et pour ce qui apparaît dans le cadre, le micro, mais je fais vraiment avec les moyens du bord en espérant que j'aurai un son à peu près correct. Donc voilà, le manche comme je vous ai dit, hein, que j'aurais designé moi-même, je le pose tout simplement là et on va attaquer directement par l'unboxing. Pas de suspense, ça sert à rien, on va juste ouvrir directement. Ça sent le bois, le bon bois. C'est très très propre hein, au niveau des défonces. C'est super propre. Là, par contre, il n'y a pas le trou pour le fil qui va passer à la masse au niveau du chevalet. Donc je vais être obligé de le faire, mais ça c'est pas bien grave.
C'est un super morceau. C'est du Fren normalement, si je me trompe pas. J'en vérifierai, mais j'en suis pas tout à fait sûr. C'est très très propre. Je vous mets un peu plus près. Regardez, les défenses sont vraiment très jolies. Et derrière, donc, il y a la cavité qui est déjà prête. Il y a du scotch dessus. Je vais l'ouvrir pour regarder de plus près. Le petit couvercle qu'il faudra teindre et puis préparer aussi. Il y a déjà les trous de pré-percée ici, mais pas sur le corps en lui-même. Et la défense est très propre. Je vous montre aussi. Aussi le trou pour le jack qui est déjà prêt. Donc il y a vraiment le plus gros du travail au niveau des défenses qui est déjà faite. Ça, c'est vraiment pratique. Ça va me faire gagner du temps et surtout que j'ai pas le matériel pour. Et ben, je vais voir ce que ça va donner. En tout cas, je trouve que c'est une belle pièce de bois, bien collée, bien propre, bien préparée. Bon, bien sûr, tout ça, ça va changer un petit peu au niveau de la préparation, car je ferai de la découpe, etc., du ponçage et puis de la teinture, voire de la peinture dessus. Donc du coup, il y aura pas mal de travail quand même à faire dessus, mais les défenses me font gagner déjà pas mal de temps. Et surtout, je n'ai pas le matériel pour, donc ça me fait gagner aussi du matériel. Et ça va me permettre de pouvoir créer mon premier design personnel au moindre coût, sans acheter tout le matériel et pas être sûr d'être capable de le faire. Donc voilà, c'était l'unboxing, on se retrouve tout de suite. Et voilà, je me lance dans un nouveau projet de customisation de guitare et de guitare un peu plus personnelle. Ce projet de guitare va mettre un peu plus de temps à aboutir, car je vais vraiment faire ça manuellement, sans machine, avec une simple scie et quelques outils par-ci et par-là. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas équipé pour, donc je vais vraiment faire ça tranquillement, à ma sauce. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les étapes au fur et à mesure de l'évolution de ce projet. Je ferai une vidéo sur toute la préparation, de la découpe, etc. Mais je ferai peut-être une vidéo avant sur quel design je vais créer et comment j'en suis venu à là et comment je crée mes visuels pour mes guitares. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça m'encouragera dans ce projet et voir d'autres projets dans l'avenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais sortir dans l'avenir. Voir cette série, voir comment je vais évoluer avec ce projet. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description, n'hésitez pas à les voir. Je mettrai quelques petites photos au fur et à mesure de l'évolution de ce projet. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne pour qu'elle puisse évoluer et que je fasse de meilleures vidéos avec de meilleures qualités, je vous mets en lien mon Tipeee en description. Je ne sais pas quand je sortirai les prochaines vidéos de cette série, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc vous en verrez l'évolution, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.